Les trois jours de vacances nationales en Chine ont attiré un grand nombre de visiteurs à l'expo horticole. De longues files de visiteurs pressés étaient visibles à l'extérieur de nombreux pavillons. Nous exposons les accomplissements de notre université et les résultats de 17 années de recherche de notre Centre national pour les fleurs. Certaines universités présentent des technologies comme la culture sans germes et des plantes hybrides qui se développent à partir d'une lumière artificielle. L'idée est de dépasser les limites environnementales, produire plus avec moins. L'une des missions majeures de mes étudiants est d'exposer leurs projets ici, de montrer aux visiteurs comment combiner des éco-conceptions avec la vie. Ces exposants utilisent cette expo comme une plateforme pour montrer au public comment rendre l'appréciation de la beauté durable.